Bonjour, je suis Franklin Morin, directeur d'investissement de Nalo, et aujourd'hui je vais vous parler de la façon dont on construit les portefeuilles pour gérer votre argent. Donc la première caractéristique de Nalo, c'est l'investissement par projet, le goal-based investing en anglais. Donc pour l'expliquer, le plus simple c'est de prendre un exemple concret. Donc on va considérer un investisseur qui a trois projets. Il veut prendre sa retraite d'ici une trentaine d'années. Il veut épargner en vue des études de ses enfants dans 15 ans et il veut réaliser un achat immobilier dans 6 ans. Donc, s'il opte pour une gestion pilotée qui n'est pas Nalo, ce qui va se passer, c'est qu'il va remplir un questionnaire et on va lui attribuer un profil de risque. Donc, globalement, c'est a priori, c'est quelqu'un qui a à la fois des projets long terme et court terme, donc il risque de se retrouver au milieu sur un profil comme équilibré ou P6 ou autre. Et alors, à ce moment-là, son niveau de risque va rester constant tout le temps où il sera investi sur ce support d'investissement, sur ce profil de risque, jusqu'au jour où on va le faire changer de profil de risque parce que son horizon se sera rapproché. Et il opérera ses retraits au bout de 6 ans, au bout de 15 ans, sur ce gros bloc monolithique. S'il choisit Nalo, on va avoir un portefeuille par projet. Et ça, c'est une spécificité de Nalo, de proposer ça au sein d'un même contrat. Ensuite, vous avez un niveau de risque par projet également. Donc, on ne va pas considérer de la même façon le risque sur le projet retraite à 30 ans que pour l'horizon de 5 ans pour l'achat immobilier. Par ailleurs, ce risque, il va diminuer progressivement avec le temps. Donc, c'est ce qu'on appelle la sécurisation progressive. Au fur et à mesure que votre horizon se rapproche, votre risque diminue parce qu'on veut éviter un accident de marché au dernier moment. Comme on a vu, quand on passe d'un profil de risque à un autre, de P6 à P5, on va perdre 10% d'actions pendant une journée donnée. Il suffit que ce soit la bonne, on espère. Et dans le cas d'un 3 profils prudent, équilibré, dynamique, vous allez chuter de à peu près 25% d'actions d'un coup. Donc là, on se dit, c'est des grosses marches d'escalier, alors que chez Nalo, on va désensibiliser pourcent par pourcent, très progressivement, où chaque jour, on prend en compte cette décroissance. Deuxième point, extrêmement important, c'est la vision en montant. C'est-à-dire, vous savez quel montant est alloué à quel projet. Et alors ça, c'est essentiel, parce que c'est bien de savoir qu'on a fait un investissement de 12%, mais si à la fin, vous vous rendez compte que finalement, vous n'aviez pas mis un montant suffisant en vue des études de votre enfant, ça ne le consolera pas beaucoup que vous ayez fait 12%. Donc, pour avoir cette vision par montant, il est essentiel de diviser en poches. Parce que sinon, projetons-nous. Donc, vous allez prendre le projet. Donc, dans 5 ans, hop, j'achète une maison. Puisque de toute façon, j'ai encore des choses pour mes autres projets. J'ai encore de l'argent pour mes autres projets. Ensuite, vous allez faire pour les études de vos enfants. Et à la fin, pour votre retraite ou votre dépendance, peut-être qu'il restera 20 000 euros. Ce ne sera pas suffisant. Enfin, si vous l'avez en un bloc, vous risquez d'avoir plus de stress quelque part. En se disant, en fait, vu que c'est toute mon épargne, chaque fois que ça va perdre 5-10%, vous allez être un peu embêté de se dire mais j'en ai quand même besoin d'une partie dans 5 ans. Et donc là, ça c'est un problème, c'est un biais comportemental, mais qui est bien connu, qui s'appelle la comptabilité mentale. Et justement, celui-là, on le prend en compte chez Nalo avec cet investissement en projet. Donc c'est beaucoup plus simple de se rationaliser, de se rassurer en disant oui, là les marchés sont en train de baisser, mais c'est sur mon projet retraite qui est dans 30 ans. Et donc, ce n'est pas très grave et on se rappelle, c'est bien pour ça que les investissements rapportent plus qu'un livret A. C'est parce qu'il y a du risque qui est pris et c'est pour compenser cette prise de risque à court terme, donc le risque qui est des chutes de marché, qu'on bénéficie bien d'une prime de risque sur le moyen et le long terme. Donc, si je suis plus stressé par le risque, je vais avoir tendance à avoir moins de risques ou mon conseiller va avoir tendance à me conseiller un risque moindre. Et si c'est le cas, ça veut dire que du coup, je risque d'avoir moins de rendement également. Et si j'ai moins de rendement, encore une fois, c'est mon dernier projet qui va en subir les conséquences. Donc la clé, c'est de se projeter. Et se projeter, ça passe par des projets. D'ailleurs, vous remarquez, c'est la même racine, pas pour rien. Deuxième partie sur laquelle je vais insister pour notre philosophie, c'est l'investissement en ETF intelligent. Donc chez Nalo, on utilise les ETF pour trois raisons. Première, c'est la diversification. On va essayer d'être plus diversifié que des indices dits de référence qui en fait ont une énorme pondération, notamment sur les États-Unis. Deuxième chose, c'est que les indices de marché représentent l'économie d'hier, quelque part. C'est les gagnants d'hier
via le mécanisme de pondération. Donc, on va intégrer des thématiques pour répondre aux problématiques de demain et donc avoir quelque chose qui ressemble plus à l'économie de demain, puisque c'est bien de ça dont on vous donnera la performance. Troisième point, c'est l'intégration de thématiques par rapport à votre projet. Donc typiquement chez Nalo, on intègre une dimension d'immobilier coté, donc des sociétés foncières, qui permettent en fait d'être en lien avec une partie des objectifs de projet qui vont être liés à l'immobilier. Par exemple, prendre ma retraite, ça peut être avoir une nouvelle maison, ça peut être un achat immobilier, ça c'est assez naturel. Les études de mes enfants, ça peut être un coup de pouce pour l'acquisition d'une résidence principale. Donc on voit que dans plusieurs cas, il y a souvent un sous-jacent immobilier dans les projets. Donc c'est pour ça que chez Nalo, on a décidé d'en intégrer. Autre point, chez Nalo, faire de manière intelligente, on trouve que c'est de faire de manière stratégique et non pas tactique. Donc, vous l'avez compris, chez Nalo, au-delà des algorithmes, il y a des humains. Et ces humains sont soumis à des biais, donc mon équipe également. Et c'est bien pour ça que nous ne faisons pas de gestion tactique pour ne pas être nous-mêmes soumis à ces biais contre lesquels on essaie de vous protéger. Donc maintenant, on va rentrer dans le détail de comment on procède pour créer un portefeuille. Alors, prenons un projet chez nous, ça consiste en plusieurs éléments. Un type de projet, on a dit achat immobilier, retraite, etc. Un horizon de placement de 3 à plus de 50 ans. Un profil patrimonial qui va nous permettre d'ajuster le niveau de risque pour votre projet. Des thématiques de portefeuille, vous avez 4 choix aujourd'hui chez Nalo. Éco-responsable, sans immobilier, complémentaire au PEA ou si aucun des 3 cas ne vous convient, standard. Donc tous ces éléments contribuent au fait que pour un projet donné, vous pouvez avoir plus de 800 portefeuilles cibles possibles. Et puisque vous pouvez avoir plusieurs projets au sein d'un même contrat, vous avez une infinité de possibilités avec cette technologie multiprojet exclusive chez Nalo. Détaillons maintenant notre algorithme de construction de portefeuille. Alors il y a eu un énorme travail en amont qui a été déployé en septembre et en octobre chez Nalo. Il est basé d'abord sur des dynamiques passées, mais aussi sur des prospectives, à la fois qualitatives, bien sûr, donc des scénarios de marché, mais aussi quantitatives, ce qui, à mon sens, est une exclusivité de Nalo. Pourquoi un nouvel algorithme? Il faut savoir que dans la période précédente, nous étions dans ce qu'on appelle la grande modération. On a vécu 40 ans d'une période où les banques centrales étaient plutôt accommodantes, l'inflation très basse, et là, ce qu'il fallait faire, c'est ce qu'on a fait exactement, c'est-à-dire récolter de la prime de risque, être positionné sur le long terme, sur les actifs, au niveau de risque adéquat pour votre projet, et minimiser les frais. C'était typiquement la stratégie de Nalo. Sauf que cette année, on n'est plus du tout dans ce régime-là, et on peut même dire qu'on peut être surpris, nous on était surpris par la vigueur du marché, notamment aux États-Unis et en Europe, qui n'est pas du tout aligné avec la fonction de réaction des banques centrales et les chiffres qui sont publiés régulièrement. C'est comme si le marché, en fait, prenait les bonnes nouvelles, mais ne prenez pas bien en compte les mauvaises. Inversement, ils se vengent entre guillemets au niveau des titres, puisqu'on a vu des titres avec des bénéfices légèrement inférieurs aux attentes se faire un peu massacrer en bourse, si vous me permettez l'expression, alors que les surprises à la hausse ont été faiblement récompensées. Tout comme les découvreurs en fait, se basaient sur le sextant avec leurs étoiles, bah là on est dans un monde où les étoiles, au bout de 40 ans, se mettent à bouger. Donc il faut changer d'outil, au risque du coup de perdre le cap. Donc pour garder le cap, il faut ce nouvel outil, le GPS, là en l'occurrence. Ben nous, notre GPS, c'est notre générateur de scénario économique. Donc un générateur de scénario économique, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, on ne va pas considérer un scénario de marché à venir, ni même trois, mais des milliers de scénarios possibles, et on va regarder sur les candidats à nos portefeuilles, savoir lesquels se comportent le mieux dans différentes conditions de marché. Donc, ce n'est pas juste quelque chose de statistique. Il y a vraiment des économistes derrière qui y travaillent. C'est un bon milieu entre la statistique pure et l'économie qualitative pure. Ensuite, ça nous permet quelque part d'interpréter les résultats. Donc, un scénario dans lequel le portefeuille va faire moins 20%, on va lui apporter plus d'importance qu'un scénario dans lequel le portefeuille fera plus 20%. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est plus désagréable de faire moins 20%. Qu'il n'est agréable d'avoir plus 20%. Donc ça va nous permettre en fait de prendre ça en compte et du coup d'arriver au portefeuille cible qui a la meilleure satisfaction pondérée pour nos clients. Donc cet outil nous permet de faire une meilleure navigation qui va être plus précise et aussi plus rapide à lire
Et enfin, de nous permettre d'être plus réactifs pour implémenter ces changements. Tout comme on a été surpris de la flambée quelque part des cours au niveau américain et européen, on a été surpris de la stagnation au niveau des pays émergents. En effet, ces pays émergents ont fait les ajustements en termes de politique monétaire bien en amont et sont déjà dans une période d'assouplissement. Et donc pour nous, c'est quelque chose qui est prometteur, à la fois d'un point de vue technique, la Suisse, c'est ce qu'on a dit, mais également sur le long terme. En effet, Goldman Sachs, par exemple, dans une dernière étude, estime qu'en 2050, le PIB de la zone Asie émergente sera supérieur à l'ensemble de celle des pays développés. Donc là, on voit bien cette croissance du PIB, qui mécaniquement se traduit en croissance boursière, nous amène à penser que sur les plusieurs années prochaines, enfin, lors de ce cycle, les pays émergents ont clairement un rôle à jouer et doivent s'intégrer pleinement dans l'allocation d'actifs. Alors maintenant, on a parlé des constructions des portefeuilles cibles, mais il faut arbitrer. Donc vous avez pu voir des arbitrages sur vos portefeuilles en septembre, en octobre notamment. Donc qu'est-ce qui provoque ces arbitrages? Les causes génériques, c'est soit c'est dû à NALO, donc nos changements de portefeuille cible, nos changements d'algorithme, etc. Soit c'est lié aux actions des clients, donc si vous modifiez les paramètres de votre projet, le portefeuille cible va changer et donc vous allez connaître un arbitrage. Ou enfin, c'est juste les déviations de marché classiques. Donc chez NALO, nous sommes désormais équipés d'une stratégie d'investissement qui est complètement adaptée à ce nouvel environnement. Nous sommes en train d'intégrer de nouveaux actifs dans nos portefeuilles et avons également de nombreuses innovations sur lesquelles nous sommes en train de travailler et on espère pouvoir vous en dire plus très prochainement. En conclusion, c'était important pour nous de pouvoir apporter de la compréhension, de ne pas laisser des gens se dire « Ah oui, mais en fait, le livret A, c'est mieux. » Alors oui, en 2022, c'était mieux, effectivement, mais attention à ne pas tomber dans des biais de comparaison. Je vous invite à regarder les précédentes vidéos à ce sujet pour vous en convaincre. Pour les investissements qui ont bien réussi cette année, attention, il y a trois possibilités. Soit ils ont déjà opéré le changement de paradigme, donc c'est très bien. Soit, en fait, c'est des gens qui ont suivi les tendances, puisque globalement, cette année, les performances ont été pas mal dues à l'exubérance des marchés américains. Troisième possibilité, c'est que la baisse n'a pas encore eu lieu. Alors attention, je pense notamment à certains actifs non cotés, certains segments de private equity sur lesquels vous pouvez continuer à avoir des performances passées importantes, mais qui vont opérer un ajustement par la suite. Donc attention à ces investissements. En tant qu'humain, on ressent tous le besoin de changer une situation qui nous déplaît, ce qu'on appelle le biais de surréaction ou du pilote dans l'avion. Et en fait, la bonne réponse, oui, agissez, mais agissez de la bonne façon. Et la bonne réponse à apporter, ce n'est pas de s'agiter sur les placements financiers, c'est de revenir à la base, donc vos projets. Donc vos projets, quels montants leur sont alloués, où se situent maintenant les zones d'atterrissage, est-ce que c'est toujours cohérent avec votre principe, etc. Et c'est comme ça, en réaffirmant votre cap, qu'en fait, vous allez vous concentrer sur le long terme. Quand on est sur une poutre et qu'on cherche à faire de l'équilibre, la seule façon de s'en sortir, c'est de regarder au loin. Et bien, sur les marchés, c'est la même chose. Donc, gardez le cap. Si vous avez aimé ces nouveaux formats où on essaye d'aller un peu plus en profondeur, dites-le nous en commentaire. Et sinon, pour toute question, n'hésitez pas à les poser soit sur le chat nalo.fr ou bien ici en commentaire. Et nous, nos équipes prendront grand plaisir à vous répondre. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine fois. Pour une prochaine, pour je sais pas, c'était pas... Je vais être un petit filtre. C'est ça.